Merci pour tout ce que tu es pour nous et merci pour tout ce que nous sommes pour toi. Que toute la gloire te revienne à toi qui es, toi qui étais, toi qui vis éternellement, bien sûr, toi qui reviens bientôt. Alléluia, alléluia, gloire à celui qui vit. Alléluia. 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 Alléluia.
moi. Alléluia. Qui est présent, c'est vous. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le souverain des rois de la terre, celui qui nous a tant aimés d'un amour incommensurable. Oui, reçois les hommages, la révérence ce matin. Toi, notre Seigneur et notre Dieu, toi, celui en qui, par qui et pour qui Dieu fait toutes choses, car ton nom est grand et digne de Seigneur vous bénisse encore une fois ce matin.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai une mauvaise et une bonne nouvelle en même temps. Amen. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pourrez jamais, jamais aimer Dieu par vous-même. Ce n'est pas possible. Vous ne pourrez aimer Dieu que lorsque vous comprendrez l'amour de Dieu pour vous. Et lorsque vous comprendrez l'amour de Dieu pour vous, alors vous pourrez aimer Dieu. Et c'est une problématique aujourd'hui. La clé, c'est de comprendre l'amour de Dieu. Quand nous comprendrons l'amour de Dieu, oui, alors nous pourrons aimer Dieu. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné. Et on va partager des bonnes choses ce matin par la grâce du Seigneur. Alors, nous allons dans le livre du prophète Osée ce matin, un texte que nous connaissons, que Dieu bénisse notre fille qui l'a, je pense qu'elle a reçu ce qu'elle devait recevoir. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Osée chapitre 4, verset 6, c'est un texte qui va nous servir d'appui pour développer notre sujet du jour. Osée chapitre 4, verset 6. Et souvent nous lisons ce passage à moitié et j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions lire intégralement ce passage d'Osée chapitre 4, verset 6. Osée est un livre de prophètes, ce qu'on appelle généralement les petits prophètes, non pas parce qu'ils sont petits, mais parce que leurs livres sont courts par rapport aux autres, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et Daniel. Donc, Osée chapitre 4 nous dit ceci, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et souvent, nous nous arrêtons là, mais le texte ne s'arrête pas là, la Bible déclare. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Donc déjà ce texte nous révèle que ce n'est pas tant qu'il manque la connaissance. La connaissance, elle est là. Mais il dit que c'est son peuple qui rejette la connaissance. Donc on dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, parce que la vraie problématique de la vie chrétienne aujourd'hui est un problème, non pas d'information. Parce que l'information, vous l'avez. On entend partout les choses sur Dieu. On entend partout les choses sur Jésus. On lit plein de choses sur Dieu. Le véritable problème n'est pas dans l'information. Mais le véritable enjeu pour le peuple de Dieu se trouve dans la connaissance. Et Dieu dit que si mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'information. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, vous savez tous, frères et sœurs, que pour connaître quelque chose ou bien quelqu'un, il faut un élément important, c'est l'élément du temps. Lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu ne peux pas dire que tu connais cette personne, ce n'est pas possible, c'est faux. Pour pouvoir être à mesure de déclarer que je connais cette personne, il faut avoir eu du temps. Parce que dans ce temps-là, ça va te permettre de découvrir les choses qui concernent cette personne. Donc, pour pouvoir connaître, il faut investir du temps. Alléluia. Amen. Et l'un des problèmes des chrétiens d'aujourd'hui, c'est que pour pouvoir connaître Dieu, nous ne voulons pas suffisamment investir du temps pour Dieu. C'est ça le problème. On veut le fast food. On est dans une génération rapide aujourd'hui. Frères et sœurs, pour pouvoir le connaître, il faut investir du temps. Du temps. Et Pierre, l'apôtre, lorsque on lui a dit, mais toi tu es l'un de ses disciples, on te connaît, on t'a vu avec lui. Pierre a dit, je ne le connais pas. Pierre avait-il peur, avait-il menti, n'avait pas menti ce qu'il avait dit était vrai, il ne le connaissait pas. Tu peux être avec une personne, mais sans connaître ta personne. Amen. Pierre était avec Jésus. Mais il dit, je ne le connais pas. Il a dit ce qui était dans le fond de son cœur, c'était vrai, il ne le connaissait pas.
Parce que dans la connaissance, il y a un élément important, c'est ce qu'on appelle la révélation. Et donc, nous allons parler d'un sujet qui traite autour de ce que je viens de poser comme décor maintenant. Mon peuple périt, pas faute d'information, mais faute de connaissance. Mais cette connaissance, elle est là, elle est disponible, déclare les Écritures, mais l'un des problèmes, c'est que nous ne consacrons pas assez du temps pour pouvoir découvrir tous les contours qu'il y a autour de cette connaissance-là. Et vous savez tous que dans la connaissance, il faut avoir donc un temps d'observation. Il faut savoir observer, voir connaître. Il faut avoir un temps d'échange. Et puis, il faut avoir ce que moi j'appelle la base de la connaissance. Il faut avoir deux éléments principaux. Il y a l'élément donc de la communication et l'élément de la communion. Parce que la communion, ce n'est pas la communication. On peut être dans l'un comme dans l'autre. Par exemple, vous pouvez être en communion sans communiquer. Vous pouvez être un couple hein, dans un mariage, mais vous ne communiquez pas. La communion, normalement, doit amener la communication. On peut être ensemble, mais sans parler. Ce qui fait qu'il y a des couples, ça fait des années, qui sont ensemble, mais ils ne se connaissent pas. Mais ils sont ensemble. Donc on peut être ensemble avec Jésus, ça fait 10 ans, 20 ans, dans la foi, mais vous ne le connaissez pas. Mais pourtant, on est avec Jésus. Pierre ne le connaissait pas. C'est pourquoi, dans le texte de base que nous allons voir aujourd'hui, on va naviguer dans ce texte de base-là. On va, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Alors, avant, c'est dans notre texte de base qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, c'est une belle histoire. La vie de Jean nous raconte de belles choses au sujet de notre Seigneur. Il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de dialogues dans Jean. Et on va lire rapidement le texte. Verset 1er, chapitre 4, jusqu'au verset 10. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ à la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. » Vive que le Seigneur bénisse sa parole. Ça, c'est notre texte de base et de fondation de ce que nous allons partager ce matin, si tu connaissais le don de Dieu. Et notre prédication de ce jour va s'articuler autour de trois choses que vous allez devoir comprendre au sujet du don de Dieu. Nous allons parler d'une histoire de pluie, nous allons parler d'une histoire de programme, et nous allons parler d'une histoire de Pâques, le Pâques de Dieu. Et donc, ce que nous venons de voir ici, c'est une histoire de puits. C'est une histoire de puits. Et Jésus rencontre cette femme et cette femme lui dit
que tu es juif, nous on est samarité, on n'a pas de relation. Mais Jésus dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu. Et puis vous allez remarquer avec moi, il dit deux choses importantes. Il dit si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire. Il n'a pas seulement dit si tu connaissais le don de Dieu. Il dit que si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire. Donc nous parlons ici de deux choses. Le don de Dieu et celui qui demande à boire. En d'autres termes, nous allons parler de deux puits. L'un qui est celui de Jacob et l'autre puits qui est Jésus. Maintenant, vous savez tous qu'un puits, c'est un contenant qui contient de l'eau. Et lui, il dit qu'il faut connaître le don de Dieu et celui qui demande à boire. Et c'est ce que nous allons voir, frères et sœurs, maintenant. Lisons la parole de Dieu dans Jean 1, à partir du Jean 3, il peut revenir dans Jean 1. Jean 3, que nous connaissons tous, Jean 3, 16, normalement on devrait même être à mesure de le dire sans lire dans nos Bibles, Jean 3, 16, n'est-ce pas? C'est parfait. Est-ce qu'il peut répéter Jean 3, 16? Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. En vrai, toute personne qui est sauvée dans cette salle. Jean 3, 16, un texte fondateur pour la foi chrétienne qui révèle justement, parce que Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et Esaïe dit quelque part qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Le don de Dieu, c'est le fils. Le fils est le don de Dieu. Et ce fils-là, justement, Jésus dit qu'il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut le connaître, pas juste avoir des informations. L'un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas le Fils. Nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons des informations sur Jésus, mais la question, est-ce que vous savez qui il est? C'est un élément fondamental. Voilà pourquoi ce jour-là, il était avec ses disciples et il leur pose la question, ça fait seulement beaucoup de temps qu'ils étaient ensemble. Alors il pose la question, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, l'un des prophètes de Jérémie. Jésus pose la question à ses apôtres. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et vous allez remarquer également que Jésus ne leur dit pas comment on m'appelle. Parce que c'est deux choses différentes. Dire à quelqu'un comment on m'appelle et dire à quelqu'un qui suis-je. Jésus n'a pas dit comment je m'appelle parce que ça dit, mais attends, mais tu t'appelles Jésus. Mais Jésus leur dit, qui suis-je? Pourquoi? Parce que l'Église doit être fondée sur un élément important, c'est-à-dire la révélation de Jésus. Amen, 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 amen. Si un enfant de Dieu n'a pas la révélation de Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, l'Église est fondée. L'Église est bâtie sur une pierre de fondation qui est Christ. Mais Christ révélé. Amen. Alors il dit, qui suis-je? Parce qu'il pose la question, il dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à voir. Or, on a vu que le don de Dieu, c'est le Fils. Mais qui est ce Fils-là? Alors, lorsqu'il pose la question à ses apôtres, ils discutent entre eux. Et finalement, personne ne peut dire qui il est. Mais ils étaient tous, il y en a un qui va quand même parler. Nous bénissons Dieu parce que la Bible, il y a une traçabilité écrite des événements. Alors l'apôtre Pierre, il va dire encore Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À ce moment-là,
on pourrait se dire, waouh, Pierre, comment tu l'as fait, Pierre? Parce que Pierre a dit quelque chose, personne n'avait trouvé, mais Pierre l'a dit. Tu es le Christ, le Fils, puisque le don de Dieu, c'est le Fils. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit à Pierre, tu es heureux. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce qui rend un homme heureux, ce ne sont pas les possessions, ce n'est pas la prospérité matérielle, financière. Ce qui rend un homme heureux, c'est de connaître Christ. Amen. Parce que tu peux avoir toutes les possessions de ce monde et être malheureux. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Le vrai bonheur, c'est de connaître le Seigneur. Parce que tu peux tout perdre matériellement. Mais celui qui a Jésus, il a tout. Amen. C'est pourquoi il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce que tu veux me dire là, ce n'est pas ta chair et le sang qui t'ont révélé ça. C'est pas possible. Donc, c'est pourquoi je le répète, vous ne pourrez pas connaître Dieu par vous-même. Amen. La connaissance de Dieu est une révélation. Il faut que Dieu se révèle. Parce que souvent, je le dis quand je fais les séminaires sur le sujet, frères et sœurs, lorsque Dieu ne se révèle pas aux hommes, les gens ils tombent dans ce qu'on appelle l'imagination. Quand il n'y a pas de révélation, on tombe dans l'imagination, on commence à inventer. On commence à imaginer Dieu. C'est pourquoi n'ayant pas eu la révélation, chacun a commencé à lui attribuer une appellation et une fonction. Les Grecs l'ont appelé Zeus. Les Romains l'ont appelé Jupiter. Les philosophes l'ont appelé de plusieurs appellations, hein, l'idée, l'absolu, la raison, et celui que j'affectionne le plus, la cause causante non causée. Ça, c'est pas en philosophie qu'on vous dit ça. En philosophie, vous avez dit ça. La cause causante non causée. Comme ils n'ont pas la révélation, chacun essaie de dire les choses. Et on ne parle pas avec les Égyptiens, avec tous les dieux qu'ils ont inventés. Parce qu'il n'y a pas là. Révélation. Parce que la révélation, frères et sœurs, est une initiative de Dieu. C'est Dieu qui vient vers les hommes et qui leur montre un aspect de ce qu'il est, de son caractère. Amen. Ce n'est pas nous d'inventer, c'est Dieu qui vient enlever le voile. Amen. 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 C'est ça la révélation. Et donc il dit à Pierre que c'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Alors, je te dis que tu es Pierre, Pétros, sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. L'église est fondée sur la révélation de Jésus-Christ. Pas sur l'information, je parle de la révélation. Mais la révélation de Jésus-Christ en tant que le Fils. Mais il est important pour nous de comprendre alors, ce Fils-là, c'est qui? Ça veut dire quoi le Fils de Dieu? Là, on parle, on passe à un autre niveau. C'est pas de l'information, là, il faut comprendre le Fils en question. Ça veut dire quoi tout ça? Le Fils. Alors, qui est-il? Parce que Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu. C'est comme s'il était en train de dire à cette femme, si tu connaissais le Fils de Dieu. Si tu connaissais le Fils de Dieu. Si tu connaissais le Fils de Dieu. Qui est le Christ, et celui qui te demande à boire, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, le révélateur du Christ. Je fais la nuance entre le Christ et Jésus. Le Christ, c'est le mystère de Dieu. Jésus, c'est le révélateur de ce mystère. L'homme. Le Christ, c'est Dieu, et Jésus, c'est le vase qui contient ce Dieu-là. Amen. Le Christ, c'est la parole qui est au commencement. Jésus est le révélateur de cette parole. Et la parole s'est faite chair. Donc, le don de Dieu, c'est ce Christ-là, rédempteur, mais révélé par un homme, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est le révélateur du Christ éternel. C'est pourquoi, après son baptême,
Pendant 30 ans, c'était un homme comme tout le monde, 100% d'humanité. Pendant 30 ans, il a vécu comme un homme ordinaire. Mais après son baptême, lorsqu'il se retrouve dans la synagogue de Nazareth, il prend le rouleau d'Ésaïe. Il lit le passage d'Ésaïe 61. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il développe le passage et à la fin dit « Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. » Tous ces problèmes ont commencé là. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient que ce passage était messianique. Ça concernait le Christ. Et les Juifs savaient également que lui, c'est le fils de Marie et de Joseph. Les Juifs savaient qu'il avait grandi. Ils ont pu grandir. Et du jour au lendemain, tu vas dire aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. En d'autres termes, c'est moi qui suis le Christ. Tous ces problèmes ont commencé là. Et lorsqu'il s'est baptisé, il reçoit le témoignage. Il dit, celui-ci est mon fils. Un fils nous est donné. C'est pas avant. Il reçoit le témoignage officiel baptême. Celui-ci est mon fils. Il est le Christ. Donc, si tu connaissais le Christ, si tu connaissais le Fils, si tu connaissais le problème, il est à ce niveau-là. Qui est-il? Il est celui dont Jean nous développe dans le chapitre 1er. La parole qui est au commencement, celle qui était avec Dieu. Celle en qui se trouvait la vie. Cette vie qui était la lumière des hommes. Cette parole qui est venue parmi les hommes, mais les hommes l'ont rejetée. Cette parole qui s'est faite chair. Qui est-il révélé dans Colossiens 1 à partir du verset 15 qu'on aimerait qu'on lise parce que c'est un très beau texte. Qui est ce fils-là? Qui est-il? Colossiens 1, verset 15. On parle du fils. Le don de Dieu. Dieu a donné le Fils. Colossiens 1, le verset 15. Qui est ce Fils-là qui est le don? Le Fils, déclare les Écritures, c'est celui qui est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Premier-né de toute la création. Pas une création. Quand on dit premier-né, ce n'est pas, on ne parle pas ici qu'il est le premier-né d'une création. Non, 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 ça veut dire tout simplement que c'est lui qui est l'auteur de la création. Celui qui a la prééminence. Celui qui est la tête. Celui qui est l'origine. C'est de lui que viennent toutes choses. Il est celui en qui Dieu fait toutes choses. Car en lui ont été créés. C'est de ce fils dont on parle. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier des temps des morts, appelé en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, comme ce qui est sur la terre et que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le Fils, c'est le on. Le Fils, c'est le pas, c'est le pour de Dieu. C'est lui le mystère même de Dieu. Le mystère dans lequel Dieu conçoit toutes choses. Dieu fait toutes choses en Christ. Dieu les amène à l'existence par Christ. Et ce que Dieu amène à l'existence par Christ, il le fait pour un seul but, pour lui-même. C'est pourquoi j'aime l'appeler le on, le par et le pour de Dieu. Il est le on. Dieu fait en Christ les choses. Dieu est créateur en Christ. C'est ce que je développe dans mon livre là sur les mystères du Christ. Que Dieu en tant que l'éternel l'être, personne ne connaît. Et Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a créé les choses. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, ce n'est pas la création. Parce que lui-même, lorsqu'il se définit, il dit que je suis celui qui est. C'est tout.
Dieu ne devient pas, Dieu n'évolue pas, Dieu est. Amen. Dans ce qui il est l'être. Amen. Amen. Celui qui amène toutes choses à l'existence. Amen. Mais lorsque Dieu est en relation avec sa création, il est dans un mode qui est en lui, ce que l'apôtre Paul appelle le mystère du Christ, le mystère de Dieu en Christ. Lui-même. Et Dieu est créateur en Christ. Amen. C'est pourquoi on dit que c'est en Christ qu'il crée les choses. Amen. Amen. Dieu crée en Christ. Amen. Dieu nous sauve en Christ. Dieu nous rachète en Christ. Amen. Dieu nous bénit en Christ. Amen. Dieu nous pardonne en Christ. Amen. Dieu fait toutes les choses en Christ. Amen. Parce que Christ n'est fait le Dieu invisible. Amen. Pas de Christ, pas de révélation de Dieu. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Wow. En teinte de sa personne, revêt de sa gloire. Pas de Christ, pas de révélation de Dieu. Parce qu'il est l'être, il est Olam, le Dieu caché, vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi la Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Mais si c'est le Fils qui est sorti du sein du Père, qu'il a révélé. Et comme Dieu est diplômé de la révélation, son révélateur, c'est le Christ. Mais ce Christ éternel, esprit qu'on ne voit pas, il avait son vase. Et son vase, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je dis Jésus est le révélateur du Christ. Parce que ce Christ dont on a parlé dans les Écritures, il était où? Il se trouvait sur un homme, dans la vie d'un homme. C'est pourquoi lorsqu'il commence à parler, il dit que je suis descendu du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Ils ont dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais mettez-vous à la place aussi des Juifs. Quelquefois, quand vous lisez ça, mettez-vous aussi à leur place. Ils l'ont vu grandir. Hein? Pendant 30 ans, ils l'ont vu quand même. Un enfant ordinaire. Pendant 30 ans, il n'a fait aucun miracle. Il n'y avait rien de surnaturel pendant 30 ans. Et puis, du jour au lendemain, tu dis, non, 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 je suis le pain qui est descendu du ciel. Et on va se dire, mais il faut être éternel parce qu'il y a un problème. Mais à ce moment-là, qui parlait, qui est en train de parler, c'était le Christ en Jésus. Le Christ a commencé à se révéler dans son vase. Parce que Jésus de Nazareth, il a été formé dans le sein de Marie. Jésus de Nazareth, en tant qu'homme, il avait un commencement, il avait une fin. Mais le Christ là, pas de commencement, pas de fin. Donc c'est ça qui a créé la cacophonie, parce qu'il y avait d'un côté quelqu'un qui est formé, qui est temporaire, et de l'autre côté quelqu'un qui est éternel et esprit. Et ça crée le trouble en eux. Mais la vérité c'est que, et la parole, c'est fait chair. Chair. Et la parole s'est faite chair. Donc votre personne dit, et Dieu est devenu homme. Donc Jésus de Nazareth est l'humanité de Dieu. Ce Dieu-là éternel manifesté en Christ a porté une humanité que l'on a nommée Jésus. Cette humanité-là, c'est Jésus de Nazareth dans lequel se trouve l'Esprit qui est Christ. C'est vrai, c'est quelque chose qui fait un peu mal à la tête, mais c'est ça la révélation. C'est que Jésus de Nazareth est le révélateur du Dieu éternel, du Christ éternel, créateur de toutes choses. Voilà pourquoi il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est vrai, il n'avait pas 40 ans, mais qui parlait. C'est ça le problème. Quand vous lisez votre livre, faites attention au discours. Jésus de Nazareth n'avait pas 40 ans, mais il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Le Dieu qui se conduit au présent éternel. Je suis. Oui, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce que le Christ a toujours été là. Mais c'est Jésus de Nazareth qui a apparu dans le temps. Mais l'apparition dans le temps de Jésus en tant qu'homme n'était que pour révéler le Christ éternel. C'est pourquoi il dit que si tu connaissais le temps de Dieu, alors c'est toi qui lui demanderais. À boire. Ce fils-là, c'est le Christ qui vit en vous. Mais quand c'est une question de connaissance, elle prend le temps d'apprécier.
C'est ça le problème. Amen, amen. Prends le temps d'apprécier ce qui est investi en vous, là. Ce n'est pas juste un esprit pour vous faire parler en langue et crier. C'est le Christ dont on parle, le Fils, là. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui est Dieu béni éternellement. C'est ce Dieu-là qui s'est, pour ceux qui font informatique, qui s'est zippé, compressé dans un homme. Celui dont la Bible déclare que le ciel et la terre ne peuvent contenir la gloire, mais c'est ce Dieu-là qui vit en toi, dans ton esprit. Amen. C'est un mystère, c'est une affaire de folie, amen, mais c'est la vérité. Amen. Le ciel et la terre ne peuvent le contenir, mais toi, tu es devenu son contenant. Tu es devenu son vase, amen, dans lequel il habite. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Une habitation de Dieu en esprit. La maison de Dieu, c'est toi, ton esprit. Amen. Mais entendant ce même Dieu mystérieux, le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir, mais toi, tu as le privilège de le contenir. Amen. C'est une grâce. Si tu connaissais le don de Dieu, qui est ce fils-là? Mais c'est celui qui nous donne un pouvoir faire, un pouvoir que aucune puissance ne peut vous donner. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde ne devient pas enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. Amen. Et ce privilège-là, c'est le Fils qui le donne. Amen. Donc c'est un pouvoir. Amen. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qui nous donne. Et ça veut dire ce que ça veut dire être enfant de Dieu, c'est quelque chose de grand, frères et sœurs. On dit enfant de Dieu, pas enfant de quelqu'un d'autre. Enfant de Dieu. Et Paul, par contre, cela dit que nous sommes de la race de Dieu. Fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Le ciel est notre héritage. Nous avons la vie de Dieu en nous. Enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est un privilège. Mais celui qui donne le pouvoir, c'est le Fils. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ceux qui sont enfants de Dieu, là, c'est une grâce. Amen. Mais nous ne mesurons pas la grâce. La grâce est enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Le ciel vous connaît. Les anges vous connaissent. Même si sur la terre, on ne te connaît pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le Dieu qui a créé toutes choses, hey, te connaît. Tu as une place dans son cœur. Tu portes à ses yeux. Si Dieu te connaît, ça te suffit. Hein? Merci. Tu vas pas être complexé parce que Dieu te connaît. Amen. Ta vie, elle est cachée. Pourquoi? Parce que ce qui te définit, ce n'est pas ta condition. Depuis que tu l'avais accepté, tu avais une position. Et la position que tu as est une position qui n'est pas sur cette terre. Elle est dans les lieux célestes. La Bible dit que nous sommes assis en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Parce que ce qui te définit, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme. Tu es devenu une nouvelle création. Tu es donc un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Tu es un esprit qui possède une âme, mais qui vit dans un corps. Mais le problème, c'est parce qu'on a tellement vécu pendant des années dans l'âme et dans le corps qu'on n'est pas conscient qu'on est un esprit. Mais nous sommes des esprits avec une âme et vivons dans un corps. Et ce fils-là, c'est également lui. Vous savez, Jean-Baptiste, lorsqu'il l'a présenté, il dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Après, il a dit quoi? Il dit, moi je vous baptise de tout, mais lui, il vous baptisera. C'est un esprit de feu. Maintenant, la question que je vous pose, à quel moment Jésus a baptisé du Saint-Esprit? Parce que
Jean-Baptiste a parlé. Mais Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il aille à la croix, il a d'ailleurs même le baptême pour la Bible, il a baptisé personne. Mais Jean dit que lui-là que je vous ai annoncé, c'est lui qui vous baptisera le Saint-Esprit de Dieu. Jean-Baptiste est mort, Jésus a été crucifié. Mais il n'a pas baptisé de son vivant. Mais Jean-Baptiste était prophète. Et Jean-Baptiste, quand il avait parlé ce jour-là, il a parlé dans un langage prophétique. Il n'a pas parlé de ce qui allait se passer maintenant, il a parlé des temps à venir. Et les temps à venir, c'était quoi? C'était après la résurrection. C'est après la résurrection, ce qu'il est remonté dans la gloire du Père. Il s'est assis et il a répondu l'Esprit. C'est ce que dit la Bible. Il est remonté dans la gloire du Père. C'est lorsqu'il s'est assis qu'il a répondu. À la Pentecôte, ce qui s'est passé, c'est une chose merveilleuse. Ça confirme qu'il s'est bel et bien, il est bel et bien assis sur le trône. Il s'est assis et maintenant, il a répondu l'Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est le Fils, là, le Christ qui vit en vous. Il a dit, si tu connaissais, si tu connaissais les richesses qui sont investies en toi, c'est ce Jésus-là. Le puits de Jacob, c'était le puits de la tradition. L'héritage des pères. On a l'habitude de faire ça, on a toujours fait ça. Vous savez, l'une des choses qui empêche que les chrétiens évoluent, c'est la tradition, justement. Les pharisiens étaient assis sur la tradition. Nos pères ont toujours fait ceci. Moïse a dit, la loi. Jésus arrive, non pas avec la tradition, Jésus arrive avec la révélation. Et ce sont ceux qui sont assis sur la tradition qui ont combattu celui qui avait la révélation. La tradition est un obstacle. C'est une forteresse qui nous empêche d'avancer. On a toujours fait. Parce que la tradition amène l'esprit religieux. On a toujours fait ça. On a hérité ça des pères, oui. Mais Jésus est venu avec la révélation. Et le puits de Jacob, c'est ça. Il n'y avait pas la vie. Hein. Lui, c'était un autre puits. Le puits qui devait communiquer la vie. Jésus, notre Seigneur, il était le contenant et le contenu en même temps. C'est ça le mystère de Dieu. C'est un tout inclusif. Il est le contenant et en même temps il est le contenu. Il est le souverain sacrificateur, mais il est en même temps lui-même aussi le sacrifice. Il est le Père, mais il est en même temps le Fils. Contenant, contenu. Il est le puits, il est en même temps l'autre puits. Il est le don, mais il est en même temps le donateur. Amen. Un tout inclusif, dose unique. Amen. Alléluia. C'est ton Jésus-là, c'est une dose unique. Il n'y en a pas plus qu'une dose unique. Lorsque tu l'as, tu as tout. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est en lui le on là. Pour les lecteurs de la Bible, quand vous lisez Éphésiens, là, il y a beaucoup de on. En lui, en lui, en lui. Parce que tout se passe dans le on là. C'est en lui qu'on a toutes choses. Le plus véritable, c'est notre Seigneur. Que son nom soit béni pour cela. Donc, le puits de Jacob, là je vais lire rapidement, mais note par rapport à ça, c'est important que vous le sachiez, c'est le puits du paraître. On vient de temps en temps, on a la soif étanchée, on repart, on a encore soif, et on revient encore. C'est quelque chose de temporaire. Quand je parle de paraître ici par rapport à ce que Jésus nous apporte, je ne vais pas forcément choquer nos femmes, mais là il faut que je le dise. Il faut que je le dise. C'est ce que vous les femmes, c'est que ces derniers temps, c'est la mode de fameux make-up. Là il faut que je le dise, là j'en profite, je suis à Paris, je vais le dire. Le phénomène make-up. Alors moi j'ai vu ça sur internet, la femme elle était très 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 noire, noire peau, elle était belle, hein, noire et belle. Et de
de notre côté, on dit avant. Et après. Et après, cet été pro des mains devient métisse. Et on est content, on acclame. Oh là là, elle est jolie. C'est vrai, elle est jolie. Mais c'est pas elle. Parce que moi, si je te rencontre quand tu es la métisse, je ne sais pas que tu es pro des mains. Et c'est moi j'ai aimé la métisse. Maintenant, après, quand on se retrouve à la maison et que ta véritable visage apparaît, elle fait comment? Parce que moi, je n'ai pas aimé la peau des belles, moi, j'ai aimé la métissée. Soyons nous-mêmes, il faut être. Le point, il est là. Amen. Il y a des choses dans la vie qui nous font trop paraître. En Christ, il vient pour que nous soyons. Il ne vient pas arranger l'extérieur, parce que la religion va arranger l'extérieur. Mais Christ ne vient pas faire un travail extérieur, ça commence à l'intérieur. Ça commence à l'intérieur pour ensuite se manifester à l'extérieur. Et c'est toi-même. C'est pas make-up. Il va pas se maquiller, mais soyez quand même. N'abusez pas, soyez sobre. Parce que moi, quand je vois ça, j'avais une sainte colère quand j'ai vu ça. Je voulais faire un commentaire sur Facebook pour dire, mais quand même, c'est abusé. Non, il ne faut pas exagérer. Et c'est ça. Il y a des choses, même sur le plan religieux, où on travaille pour que les gens ne soient pas eux-mêmes. Et c'est ça l'esprit de la tradition et des pharisiens. Les pharisiens, c'était des hypocrites. Et Jésus leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis, vous arrangez l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Mais quand lui, il arrive, quand véritablement tu as été touché par la grâce de Dieu, et surtout quand tu le laisses travailler, lui commence à l'intérieur. Amen. Et le travail qu'il fait à l'intérieur, personne ne voit ça. Mais une chose est certaine, la Bible dit que ce qui a commencé en vous, on a dit en vous, celui qui a commencé en vous, quoi, cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Donc tu es un projet en devenir, Dieu est en train de travailler. Même si les choses qui sont pour toi ne voient pas, mais Dieu est en train de travailler. Et Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ce qui commence, il achève. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui a commencé en vous. Lorsque tu as cru en Jésus, une œuvre de Dieu a commencé en toi, à l'intérieur. Et il y a tout un travail qui se fait. Mais les gens te regardent à l'extérieur et te jugent. Parce qu'eux voient l'extérieur, mais ils ne savent pas que les changements de Dieu, ça commence à l'intérieur. Et quand ils te voient à l'extérieur, ils te voient encore faire des erreurs. Ils voient des manquements, ils te jugent sur la fonction de ce qu'ils voient. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et tu dois avoir cette assurance-là. Mon Dieu travaille. Ah oui, oui, je suis un projet de Dieu, mon chantier n'est pas terminé. Mon Amen. Dieu travaille. Donc tu dois avoir cette assurance-là que ce n'est pas terminé. Parce que nous avons une destinée finale, c'est quoi? C'est d'être semblable à lui. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire, c'est pas vrai? Quand les chrétiens, c'est vrai, si tu connaissais le don de Dieu, ce que Dieu a fait là, vraiment. Parce qu'en réalité, nous les chrétiens, on connaît la fin de l'histoire. Tu connais pas la fin de l'histoire? Moi, je vais te raconter la fin de ton histoire. La fin de l'histoire, elle se termine en apothéose, en gloire. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son. Et quand le Fils reviendra, les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés dans le corps de gloire et nous monterons avec le Seigneur. Moi, je connais la fin de l'histoire. Amen. C'est pas parce que dans ton parcours tu tombes, on te critique. Non, mon histoire, c'est pas ça. Il y a une fin. Amen. Toi seulement, apprends à te relever. Le problème, ce n'est pas de chuter, de pécher. Tu es tombé, et alors? Dieu veut que tu te souviennes que tu es tombé, tu te réponds et tu avances avec Dieu. Amen. Amen. Et quand tu gardes cette détermination-là, la fin de l'histoire est déjà décrite. Mm-hmm. C'est la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le puits de Jacob, un puits de la religion, et qui développe de l'hypocrisie. Lui, il veut que nous soyons véritablement. Et le puits de Jacob était fixé, c'était un endroit bien précis. C'était un endroit bien précis. Ils étaient en Samarie. Et la femme, elle a dit à Jésus, mais ça, c'est l'héritage de notre père.
Vous n'allez pas retrouver celui-là ailleurs. C'est l'héritage de papa, ça se trouve ici, c'est pas ailleurs. C'est là qu'on va puiser. Ça, c'est le puits de Jacob. Mais Jésus-Christ, il arrive, c'est là qu'il dit à cette femme, il dit oui, c'est vrai, vous adorez là, au mont Garézim, en Samarie. Les Juifs, c'est à Jérusalem. Mais Jésus va dire une chose importante. Il dit, mais, il dit, leur vie, ça ne sera plus. Ça ne sera plus. Ça ne sera plus sur cette montagne que vous adorerez Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui avait dit que c'était Jérusalem, la ville où il y avait le temple, il y avait la présence de Dieu. Mais il dit, ça ne sera plus sur cette montagne. Pourquoi? Il dit, Dieu est esprit. Maintenant, c'est depuis l'affaire, le puits est fixé. Non, maintenant, il est devenu mobile. Avant, tu étais fixé quelque part, à un endroit. Dieu se trouvait en Israël. Dieu se trouvait, sa présence était à Jérusalem, dans un endroit qu'on appelait le temple. Mais Jésus dit que c'est vrai, mais maintenant je vous annonce une bonne nouvelle. Il dit, l'heure vient. Il dit, ça ne sera plus. Il dit, à Jérusalem, il sera mental. Il dit, Dieu est esprit. Et que ceux qui adorent Dieu, ils l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est plus une question de géographie, de localisation géographique. Dieu est esprit. Un esprit peut être mobile partout. Il n'y a pas besoin de visa pour qu'un esprit arrive dans un pays. Là où tu es, Dieu est esprit. Mais ne peut adorer Dieu est esprit que ceux qui sont nés de l'esprit. Amen. Lorsque tu es né de l'esprit, tu es qualifié pour adorer le Dieu qui est esprit. Donc ce n'est plus une question de Jérusalem. Il y en a qui vont en Israël, même jusqu'à vos frères là-haut. Mais il n'est plus là-bas. Dieu est esprit. Ici, tu l'invoques, il se révélera à toi d'ici. Même au fin fond d'une brousse d'Afrique ou d'Amazonie, je ne sais pas où, si on l'invoque là-bas, Dieu sera présent là-bas. Amen. Ce n'est plus l'affaire, le temple, la gloire. On va en Israël. Ça, c'est peut-être la nostalgie, mais c'est l'ignorance. On va en Israël. Vous allez chercher quoi là-bas? C'est devenu un peu touristique. Mais la gloire n'est plus là-bas. Il t'apporte. La gloire n'est plus en Israël. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, maintenant, la gloire vient dans ta vie, là où tu es. Ce n'est plus la paix d'Israël, même si tu meurs sans être parti là-bas, tu n'as pas raté le paradis. Hein? Il y a bien plus que Israël qui nous attend. Mais les gens sont là, il faut aller là-bas, et puis je vais refaire mon baptême comme Jésus. Non, ce n'est plus une affaire d'aller en Israël. C'est une affaire de ta foi maintenant. Amen. Si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout. Si tu connaissais le nom de Dieu, le puits de Jacob. Donc c'est un puits qui n'apporte pas grand chose, mais le puits de Jésus, il est mobile. Ce n'est pas un Dieu, vous savez, ce n'est pas. Il y en a qui le transportent leur Dieu. Le papa de Rachel a volé les dieux de la famille. Le papa a poursuivi, hein. Parce que les dieux n'étaient plus là. Le dieu n'était plus là. On a volé Dieu. On a volé Dieu. Comment on peut voler Dieu? On a volé le dieu de la famille. Dieu a été volé. Mais c'est pas le véritable Dieu. Le dieu que nous avons pris là, on ne veut pas le voler. On va le voler comment? Mais on a volé le dieu de la famille. Parce que ce n'est pas le véritable Dieu. Le nôtre, là, nous le transportons partout. Partout où tu vas, il est là. On ne peut pas le voler. Qui va le voler? Ça, c'est le puits que Jésus. Et tu vois, ce puits-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un puits qui fait de nous aussi des puits. Un puits qui fait de toi aussi un puits. Tu deviens une source qui bénit aussi les autres. Un puits qui fait de toi aussi un puits. Si tu connaissais le nom de ce qu'il a fait, ça c'est l'affaire du puits. Deuxième chose, c'est l'affaire du nom de la programmation et du programme. Le don de Dieu, c'est autant cet homme, c'est un homme, l'homme puits, Jésus, le révélateur du Christ. Mais le don de Dieu, c'est toujours par rapport à cet homme-là, c'est une affaire de programme. Dans Jean, on reste dans Jean. Dans Jean 1, le verset 17, la Bible dit une chose importante. Je vais y aller un peu plus rapidement par rapport à la partie là. Jean 1, le verset 17.
La Bible déclare, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si tu connaissais le don de Dieu, on a dit que le don de Dieu, c'est le Fils qui a été donné par le Père. Mais non, ce Fils qui est le don de Dieu, là, ici, j'en dis que la grâce et la vérité sont venues par le Fils, là. Donc, nous parlons ici de programme. De programme. La grâce de Dieu nous a été accordée par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est l'œuvre que Dieu a faite pour toi. Ce n'est pas l'œuvre que toi, tu fais pour Dieu. Parce que la religion et la loi, c'est ce que nous on fait pour Dieu. Et on se maintient par nos œuvres. Or, la grâce, c'est le travail de Dieu pour toi et toi, tu te reposes dans le travail qu'il a fait pour toi. Le problème, c'est que quand on dit ça aux chrétiens, on trouve que c'est trop simple et c'est même trop facile, mais pourtant, c'est la vérité. Lui, il a déjà travaillé pour nous. Et nous, on doit se reposer dans l'œuvre que lui a faite pour nous. Mais ça, c'est une question de foi. Lui, il a déjà travaillé. Voilà pourquoi, sachant qu'aucun fils d'Adam ne pouvait accomplir la loi, lui, il a accompli la loi pour toi et moi. Maintenant qu'il a accompli la loi pour toi et moi, toi, tu te reposes dans l'œuvre de Christ. Tu n'as plus à faire la loi parce que lui, il a déjà faite pour toi. C'est pourquoi on dit qu'on est en Christ. Parce que lui, il a accompli la loi, donc il a satisfait la justice de Dieu. Et nous sommes justice de Dieu parce que nous sommes en Christ. Amen. Et comme Christ a satisfait la justice de Dieu, et que toi tu es en Christ, toi aussi tu vas satisfaire la justice de Dieu. Amen. Parce que tu es en lui. Et donc nous devons apprendre à nous reposer en lui des œuvres qu'il a faites pour nous. Donc la grâce est venue par lui. Et la grâce est venue nous libérer de la condamnation, du jugement, de la colère, de la malédiction. La grâce libère. Amen. Il est venu apporter la liberté. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé. La grâce est l'expression même tangible de l'amour de Dieu. Parce que cet amour-là, si tu avais ce « je vous aime », ça n'est que du discours. Alors il a fait quelque chose de très fort. Il a posé un acte. Et le don de Dieu, c'est ça. Il nous a donné la grâce. Mais la grâce est venue par un homme. Le Fils dont on a parlé tout à l'heure. La grâce est venue par un homme. Et cette grâce-là, elle est venue pour nous libérer. Donc ceux qui sont en Christ, c'est pourquoi la vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu vis encore la condamnation, la culpabilité par rapport à ta vie passée, tu dois te souvenir qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a payé le prix. La dette a déjà été payée, mais c'est ton ignorance qui fait que tu ne comprennes pas que la dette a été payée. Et comme tu ne sais pas que la dette a été payée, tu vas vouloir encore payer une dette que lui, il a déjà payée. Et la garantie, l'attestation que la dette a été payée, c'est que le sang a été versé. Christ est mort. Donc lorsque le diable vient pour te culpabiliser, pour t'accuser, rappelle à Satan que Christ est mort. Jésus de Nazareth est mort. Amen. Et lorsque tu rappelles au diable que Jésus est mort, le sang a été versé, tu es libéré de toute forme d'accusation, de condamnation, parce qu'il a vécu, il a vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu lui dis, Satan, tu as menti, la dette a été payée, Christ est mort. Ce n'est pas qu'on a volé son corps, on allait cacher. Sur cette croix, il y a quelqu'un qui a été crucifié. Il n'a pas fait semblant. Il est mort à la croix. Mais c'est une mort qui donne la vie à ceux qui étaient morts.
Christ est mort pour que tu vives. Et donc, quand tu vis encore la culpabilité, or, si Satan vient t'accuser sur ta vie, parce que tu lui dis, non, mon ancien moi a été crucifié. Alors, ayant l'assurance de dire, comme pouvait dire l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec le Christ. La personne que tu accuses, elle a été crucifiée avec le Christ. Cet homme dont tu parles, il a été crucifié avec le Christ. Cette femme dont tu parles, dont tu accuses, il a été crucifié avec le Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cet homme dont tu parles, moi je ne le connais plus. Je suis une nouvelle création. Mais ça, si tu ne connais pas la valeur du don de Dieu, la grâce de Dieu, tu vas être manipulé par le diable. La grâce a été donnée. Et donc la grâce est venue comme le péché est venu à créer le dysfonctionnement dans la vie des êtres humains. La grâce, elle vient avec l'antivirus. Il vient tout supprimer. Tout a été formaté. Une nouvelle vie a été donnée. La grâce nous introduit dans une nouvelle vie. Parce que l'auteur de la grâce, par son sang, nous a introduit dans une alliance qu'on verra à la fin de ce message. La grâce nous a introduit dans une nouvelle vie. Maintenant, je parlais de programme tout à l'heure. Mais non, dans le langage de l'informatique, si on vient, on va changer l'ancien système d'exploitation. Il était peut-être lent. Il favorisait beaucoup de virus. On change l'ancien système d'exploitation. On était peut-être à Windows 10. On veut être dans un Windows beaucoup plus rapide. On veut peut-être Windows 7. On change le système d'exploitation. Mais le système d'exploitation changé ne suffit pas. Il faut installer les programmes. C'est pourquoi on a dit la grâce est venue. Mais on n'a pas dit que la grâce, on dit la grâce est la vérité. La grâce introduit dans la nouvelle vie, mais la vérité nous permet de vivre la nouvelle vie. Celui qui est en Christ, c'est une chose, c'est par grâce de sauver. Maintenant, tu vas vivre la nouvelle vie en Christ, mais au moyen de la vérité. La vérité devient donc le logiciel qui accompagne le programme qu'on appelle grâce. Le programme grâce a un logiciel qu'on appelle Veritas. La vérité qui te permet de vivre librement, qui te permet d'être épanoui. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu peux être sauvé, mais de mort, mais quand tu vas vivre comme un esclave. Et on a des chrétiens nés de nouveau, mais qui vivent toujours comme des esclaves. Pourquoi? Parce que vous êtes tenu par le mensonge du diable. Or, l'arme qui nous permet de combattre le mensonge, c'est la vérité. Pour combattre le mensonge, ce n'est que par la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchira. Donc, tu peux être sauvé, mais de nouveau, mais être encore dans les liens du mensonge du diable. Qui te bloque, qui te limite. Mais lorsque tu connais la vérité, tu dis, ah non, 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 ça ne me concerne plus. Yes. Je suis une nouvelle création, ce n'est pas ma destinée. Yes. Moi, je dois avancer, moi, je dois progresser, ça ne me concerne pas. Mais yes. Pour avoir un tel langage, une telle assurance, il faut connaître la vérité. Yes. C'est pourquoi les chrétiens, on vous dit, lisez, méditez la parole. Pourquoi? Parce que dans la parole se trouve le testament est ouvert. Si on te dit qu'il y a un héritage, un testament qui est là, tu as besoin de savoir le contenu, de quoi il est question. C'est bien de dire que j'ai un héritage, mais de quoi il s'agit? Vous voulez connaître votre héritage en Christ? Le testament est ouvert. C'est de votre responsabilité d'aller lire les dispositions du testataire. Le testataire est mort et il a laissé le testament. Les chrétiens, vous négligez la parole de Dieu, le diable vous manipule parce que vous ne voulez pas aller voir les dispositions du testament. Pourtant, lorsque vous découvrez les dispositions du testament, ça vous redonne de l'assurance. Je suis héritier en Christ, Dieu est avec moi, pourquoi j'aurais peur? Alors, quand tu découvres ces choses-là, tu t'assis sur la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra librement. Tu veux vivre librement en Christ? Alors, il faut connaître la vérité.
à partir de maintenant, prends la décision de lire maintenant sérieusement la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Parce qu'il s'agit de ta vie, ton assurance, ta confiance, toutes les fondations de ta nouvelle vie se trouvent là-dedans. Si tu ne lis pas, tu vas vivre comment? Le Saint-Esprit en question, il se base sur le texte, sur la parole écrite. Parce que c'est lui-même qui l'a inspiré. L'esprit de la parole, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus n'a dit pas dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, comment vous allez vivre une vie chrétienne? C'est le mode d'emploi. Tout est là-dedans. Donc, programme à la grâce. Logiciel de fonctionnement de ce programme, la vérité. C'est ça le don de Dieu. Il nous donne ce nouveau programme, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle vie, mais également il nous donne les moyens de vivre cette nouvelle vie. Et quand on parle de vérité, on s'en réfère également à l'esprit, parce qu'il a dit que l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Vous ne vivrez pas la vie chrétienne sans l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Et je termine mon message de ce matin. La troisième chose, j'ai parlé depuis, je parlais de programme accompagné de son logiciel, et je termine par un pacte. Finalement, ce don de Dieu, c'est un pacte qui est complet. Mais un pacte complet formé de trois éléments principaux qu'on va rapidement voir et on va prier le Seigneur. Trois éléments principaux font le pacte de ce programme-là. Le premier élément de ce pacte-là, c'est Dieu nous a donné, donc le Fils, Dieu nous a donné un sauveur. Si tu connaissais le don de Dieu, Dieu nous a donné un sauveur. Dieu nous a donné un rédempteur. Mais pour que Dieu nous sauve, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a dû payer le prix. On dit que nous sommes sauvés gratuitement, c'est vrai. Le salut est gratuit, frères et sœurs. Mais le salut a coûté à Dieu. Il a payé le prix. Souvent, lorsqu'on parle du prix, on pense pour le prix de la rédemption. On dit oui, il est mort, le sacrifice de sang. Mais avant que Christ soit mort, il a d'abord été incarné. La parole s'est faite chair. Et lorsque Dieu devient homme, il a perdu quelque chose. Parce que ça lui a coûté. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5, j'aimerais qu'on lise le beau texte des Écritures. Vous allez bien voir que l'incarnation pour que la parole se fasse chair, ça lui a coûté. C'est pourquoi il faut qu'on apprécie le don de Dieu. Et peut-être après ce message, vous allez voir Jésus autrement. Et vous n'allez plus vous dévaloriser. Vous allez lui donner toute la place pour en avoir. Philippiens chapitre 2, verset 5. Nous allons lire la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayant-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais, verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé, mais lui-même il a dû se dépouiller. En prenant une forme de serviteur. C'est même pas d'un maître. Il a pris la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes. Là, on peut parler de son dépouillement. Donc, dans le dépouillement de Dieu, il a pris la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et bien sûr, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais avant d'arriver au c'est pourquoi là, il y a d'abord eu un dépouillement. Il a été dépouillé, frères et sœurs. On s'élève, oui, il est mort à la croix de sacrifice, mais avant même de parler du sacrifice de la croix. Frères et sœurs, la parole s'est faite de chair. Dieu s'est incarné. Dieu est devenu homme. Ça lui a coûté. La Bible, on vient de le lire. Il a dû se dépouiller. Amen. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Personne n'a humilié.
Voilà pourquoi lorsque Ponce Pilate pensait qu'il avait le pouvoir sur lui, il disait le pouvoir de te libérer pour le pacte que soit Jésus. Jésus a dit, mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. Parce que ma vie, la personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. Amen. Donc ça lui a coûté, frères et sœurs, pour que la parole de l'Esprit vienne dans le monde, ça lui a coûté. C'est ce que Paul appelle la folie de l'Évangile. Amen. Le scandale de l'Évangile. Amen. Comment le Créateur prenne la condition de sa créature, un Dieu saint devient homme. C'est ça la folie de l'Évangile. Mais Dieu, à cause de toi et moi, a accepté, entre guillemets, de devenir fou. Choquant même les anges. C'est ce que les anges ont dit, mais est-ce que ça vaut même la peine? C'est là où vous avez regardé l'amour de Dieu. C'est sûr, mais il y a eu un conseil des anges pour dire, mais est-ce que ça vaut même la peine d'en arriver jusque-là? C'est ce que Dieu a dû leur dire, que vous ne comprenez pas. Il dit, cette créature-là, vous ne comprenez pas. On est tous des créatures de Dieu, hein? Mais dans toutes les créatures, là, il y a une créature. Une créature pour laquelle Dieu a dit non, lui, là. Fais-en l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit, lui, là, pour lui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu ne peut pas. Satan et sa rébellion, il a été précipité. Il n'y a pas de possibilité de repentance pour Lucifer. Mais pour l'homme, Dieu a dit, je ne peux pas. Il faut que je lui donne le moyen, il faut qu'il revienne à moi. C'est pourquoi dans le livre des prophètes, chaque fois qu'Israël, Judas se prostituait, malgré les jugements de Dieu, mais Dieu vient encore pour dire, mon peuple, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Pourquoi? Parce que nous avons dû prier aux yeux de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Vous ne pouvez pas mesurer l'amour que Dieu a pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui. Que tu dis que tu ne m'aimes pas, tu es sûr. Que l'amour de Dieu, tu vas mesurer parce que tu n'as pas le travail, parce que tu n'as pas le mariage, parce que l'enfant ne vient pas. Tu es sûr que si tu le mesures par rapport à l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu ne commence pas à nous aimer. Dieu nous a toujours aimés. Avant même que tu sois, Dieu t'avait déjà aimé. La Bible nous a prédestinés dans son amour. C'est avant même que tu sois manifesté en chair. Dieu t'avait aimé, ta maman est au monde sainte de toi, pendant les pollutions de la grossesse, qui t'a gardé dans le ventre maternel? C'est Dieu! Tous les enfants n'arrivent pas à maturité, tous les enfants n'accouchent pas normalement, toi tu es arrivé sur cette terre, qui t'a gardé durant tous ces mois-là? C'est Dieu! Et toi tu penses que Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas encore le travail? Non, frères et sœurs, avant même que tu sois manifesté en chair, Dieu t'avait déjà aimé. Le projet de Dieu ne commence pas aujourd'hui. Dieu ne réfléchit pas sur ce qu'il va faire pour toi aujourd'hui. Avant la fondation du monde, il avait déjà été un projet pour ta vie. Il y a déjà un plan pour ta vie, mais tu dois le découvrir. Mais en Christ, c'est quand tu viens à Christ que tu reçois la lumière. Et la lumière te permet de mieux comprendre ta destinée. Tant que tu n'es pas en Christ, tu resteras dans les ténèbres. Mais la lumière, c'est Christ. Alors le projet de Dieu, il est déjà arrêté de toute éternité. Mais le diable, avec son mensonge, il te fait croire. Il te fait croire que Dieu t'a oublié, que Dieu est en train de se chercher. Dieu ne se cherche pas. Il a déjà arrêté les choses qui concernent ta vie. Dieu n'est pas en train de voir en 2018. Qu'est-ce que je vais faire pour telle sœur, pour tel frère? Dieu ne réfléchit plus. Ton projet est déjà ficelé, arrêté par Dieu. C'est parce que c'est toi qui ne vois pas. Mais pour que tu vois, il faut que Dieu te donne la lumière. Mais Dieu n'est pas en train de réfléchir sur ce que tu dois devenir. Tu es une femme, un homme qui a déjà tout est arrêté. Tu souffres parce que tu n'as pas la lumière de Dieu. Tu souffres parce que tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi tu souffres. Et le diable, il arrive, on nous fait, il remet une couche. Hein. Tu n'es pas là, tu ne peux rien, les gars, tu as fait ça, ça n'a pas marché, oh, ça c'est prison. Non, ta vie, ta valeur ne dépend pas de tout ça. Il nous a donné un sauveur. Il nous a donné deuxième chose, une alliance. C'est, nous sommes, parce que notre Dieu fonctionne avec des alliances. Dieu a toujours fonctionné avec des alliances. De l'Ancien Testament, même que le Nouveau Testament.
Dieu fonctionne avec des alliances. Il nous a donné un sauveur, qui nous a rachetés, qui nous a libérés, il nous a accordé une alliance, qui nous a introduit dans une nouvelle vie, avec une nouvelle destinée. Parce que l'alliance trace la destinée, n'est-ce pas? Donc c'est l'alliance qui t'a fait introduire dans la destinée que Dieu avait prévue pour ta vie, à travers le sang de Jésus. Et enfin, il nous a donné une vie nouvelle. Vous rendez compte qu'il ne s'est pas contenté seulement de dire, moi je vous ai sauvé, j'ai pardonné vos péchés, maintenant chacun se débrouille, Dieu est bon. Non seulement il nous sauve, il nous rachète, il nous pardonne, mais il nous fait rentrer dans une alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il dit maintenant là, vous étiez des créatures simples, mais je veux maintenant que vous soyez mes fils par adoption. Je vous adopte. Comme Jacob a adopté ses petits-fils, en leur donnant le statut de fils, alors ils sont devenus petits-fils. Ils étaient petits-fils avec un autre statut. Mais l'adoption a changé le statut. Et nous avons été adoptés en Christ. Créatures simples, on devient maintenant fils de Dieu, héritier de Dieu, de la race de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Le statut a changé. C'est ce mystère de l'adoption à travers l'alliance. Et cette adoption nous introduit dans une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie que nous obtenons après la résurrection. Christ est ressuscité pour que la nouvelle création puisse être manifestée. Et ça, c'est beaucoup de messages, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais je voulais tout simplement, en parlant de tout ça, nous faire comprendre. Dieu a donné bien plus que ce que vous pouvez penser. C'est pourquoi il a dit à cette femme, si tu connaissais le temps de Dieu, si toi et moi on peut prendre le temps, je veux dire que pour connaître quelque chose, il faut lui consacrer du temps. Vous voulez connaître Dieu, prenez le temps avec sa parole. Prenez du temps dans la prière. Si vous n'accordez pas du temps pour Dieu, vous ne le connaîtrez pas. Amen. Cherchez à le découvrir, à sonder les Écritures, à voir la vie de Jésus de Nazareth. Parce que sa vie, c'est la vie que tu dois mener. Quand tu vas lui accorder le temps, tu vas réaliser la valeur et l'importance que tu as. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si on pouvait connaître le don de Dieu, c'est parce que moi Jésus est mort pour nos péchés, ça s'arrête là bien plus que cela. Il a donné le meilleur. Le meilleur, c'est lui-même. C'est pourquoi j'aime bien lorsque je reformule Jean 3, 16. Je ne dis pas que Dieu a donné son Fils, je dis Dieu s'est donné lui-même. Parce que le Fils, c'était Dieu lui-même. Finalement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Lui-même était l'offrande. C'est ça la folie de l'évangile. Mais Dieu, pour faire un tel sacrifice, ça veut dire que l'objet du sacrifice avait de la valeur. Parce que si Dieu a accepté lui-même, s'il n'a pas obligé un ange à faire le boulot, c'est que vraiment l'objet de ce sacrifice-là, ça valait la peine. Or, l'objet de ce sacrifice, c'est toi et moi. Ça veut donc dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'était pas obligé. Mais s'il l'a fait, frères et sœurs, si lui-même, le patron, le maître, le plus élevé, El Elyon, est descendu si bas, c'est que vraiment nous, là, on a du prix. Hein? Donc Satan ne te demande pas, à cause de ta condition, de ce que tu vis, de ton passé, de ton histoire, de ta famille, ta valeur ne dépend pas de ça. Tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et Dieu chérit l'esprit que tu es. Tu as dû prier dans ce matin, on se met debout, on va prier au Seigneur. C'est une prière simple pour le remercier pour le don. Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux, Jésus est le don de Dieu. Comme j'ai dit, il est la dose unique, le tout inclusif de Dieu. Celui qui a Jésus n'a tout. Celui qui a Jésus, tu retrouves ce que tu n'avais pas, que tu avais perdu, que Satan t'avait volé. Il te donne la lumière. Tu comprendras mieux ta destinée, celui qui a Jésus, frères et sœurs, le don du Père. Et puis, tout à l'heure, on avait chanté le cantique qui disait que nous, dans son ciel,
nous chanterons, c'était quoi les chants là son amour, qu'est-ce qu'on avait dit là dans Dieu Tout-Puissant là et dans son ciel. Il y a un couplet, mais qui m'a dérangé, s'il te plaît, que frères et sœurs, aujourd'hui ne chantons pas n'importe quoi aussi là. Parce que les textes que nous disons, c'est quand même, ça donne des paroles de la Bible. Et c'était quoi on disait là dans son ciel hein? Quand le Seigneur éclatant de lumière s'élèvera de son ciel, de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Pas ici l'autre, on parle de son amour. Et quand je songe au sublime. Non, face à l'autre. On a dit son amour au ciel, un truc comme ça. J'ai dit, non, c'est sur la terre que ça se passe. C'est pas au ciel. C'est quoi l'affaire d'amour, là? Vous avez oublié. Bon. En tout cas, il y a une affaire d'amour qu'on a chantée. J'ai dit, non. Mais c'est sur la terre qu'on va réaliser l'amour de Dieu, là. C'est pas au ciel. Ah non. C'est sur la terre que je dois réaliser l'œuvre que Christ a fait pour moi. Je n'attendrai pas au ciel pour réaliser l'amour de Dieu. C'est sur la terre que l'on réalise son amour. Hein. Ce n'est pas une affaire du ciel. C'est sur la terre qu'on se réjouit déjà du sacrifice de Jésus. Ça vous reviendra. Ce n'est pas pour condamner le chant. Hein. C'est juste pour dire que quand on chante là, ce sont les prières, on parle à Dieu, non? Donc, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mon Seigneur. C'est maintenant. Je réalise l'amour de Dieu à travers le temps. C'est pourquoi je vous ai dit au commencement de ce message, vous ne pouvez pas aimer Dieu de vous-même. Vous allez aimer Dieu quand vous allez réaliser son amour pour vous. Et quand vous réaliserez le temps de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, alors l'amour que vous avez pour lui va être grandissant. Parce que vous ne voudrez pas perdre ça. Vous ne voudrez pas perdre le temps. C'est tellement précieux qu'il n'en veut pas le perdre. Alors, on veut tout simplement rendre grâce à Dieu ce matin pour le temps. Seigneur, merci pour le temps. Merci pour Jésus que tu nous as donné comme une offrande. Élevons nos voix et rendons les dons de la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci pour le temps. Jésus, tu es le temps de Dieu. Jésus, tu es le cadeau de Dieu. Pour les hommes et pour les femmes. Tu es le temps de grâce de Dieu. Tu es le temps d'amour de Dieu. Un don que nous recevons par la foi. Un don qui nous a été fait et qui nous fait beaucoup de bien. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que nous sommes pour toi. Oui, nous avons dû prier à tes yeux. Nous avons dû prier à tes yeux, Seigneur. Nous ne sommes pas pour n'importe qui. Le don nous révèle une expression suprême de ton amour. À travers le don, vous pourriez dire combien tu nous aimes. Combien nous sommes précieux à tes yeux. Combien nous avons de la valeur à tes yeux. Seigneur, pour le don merveilleux de Jésus. Merci pour le don de Jésus. Oui, mais quand je songe au sublime mystère,